Bonjour les petits loups, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu sur Amazon. J'ai acheté un truc, je voulais vous montrer parce que je pense que ça va vous servir. C'est un pot à épices magnétique. Ah, j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, j'ai payé ça 20, 26 euros, je crois, 26 euros. 26 euros. Donc, commencez. Ouais. C'est ce que je voulais. Il y en a 12. Il y en a plusieurs, vous allez voir sur internet. Soit vous les achetez comme ça séparément, ou soit vous les. Oui, il faut voir. Il y en a plein de sortes. Il y a quoi dedans? Ah, d'accord. Ok. Mais dites comment. Ah, si vous voulez que ça se. Ah, ça va, mais par contre, c'est pas grand, c'est grand. On va voir. Oh, c'est quoi qui est tombé là? C'est pas grand. Faudra. Ah, ouais, on peut même pas. Ah, si, je vais voir, je suis comme vous. Hein. Je découvre avec vous. Ça, c'est des magnétiques. Magnétiques, magnétiques. Bon, attends, déjà, on va commencer. Tranquille, tranquille. Ah, c'est pour mettre. Ouais, mais bon, ça c'est pas intéressant. Je crois que c'était le truc de. En plus, c'est écrit en anglais. Ah, ouais. Et je sais pas si. Oh, j'aurais dû prendre quand c'est vide. T'écris toi-même. Parce que là. Ah, il y en a plein. Ah, il n'y a paprika. J'ai reconnu que paprika là-dedans. Le sel. J'espère que j'aurai tout là-dedans. Par contre, ça, c'est pas fixe. Ça, j'aime pas. J'aime pas parce que j'aurais préféré marquer moi-même mes épices. Donc, je ne suis pas fan de ça. Il y a un truc. On va voir comment ça. Si ça prend un. Attendez. Je vais prendre un truc rempli. Le jardin. Non, il n'est pas rempli. C'est quoi qui est rempli chez moi? Rien. Hein. C'est même pas. J'ai rien de rempli, là. Curcuma. Même pas rempli. Parce que là, ça fait 100. Ça colle au frigo? Je comprends pas, là. Là, ça colle ici. Ah, d'accord. Attends, attends, attends. Pouvez même mettre au frigo. Ça colle pas, là? Attends. Je vais voir si ça colle dans le mur là. Non, ça colle pas dans le mur là. Ça colle comme ça. Ouais, c'est ça qui va coller, qui va faire que ça colle dans. Attends. Je vais essayer dans le frigidaire si ça colle comme ça. Ça colle. Donc on va voir. Comme rien, il n'y a rien de rempli chez moi. Je vais remplir le sel. Et je vais voir si un pot, ça remplit. Parce que bon, ils ont pas l'air trop grands. Si le pot aussi un truc comme ça remplit un petit pot là. Là par contre ça change tout. Voilà, j'ai bien rempli mon pot de sel. Ouais, mais il faut que je nettoie. Attends, je vais en nettoyer un pour voir et je reviens vers vous. Ok. Vous voyez, là, j'ai un pot de sel. Ouais, ça va, hein? Ça va, hein? Ça fait un pot. Comme ça paraît petit, mais franchement, ça. Mais moi, je vais en rajouter. Comme ça, il sera bien rempli. Et c'est pas mal. J'y suis contente. Là, t'as le grand. Par contre, ah ouais, quand tu le remplis trop, tu peux pas. Non, faut pas trop le remplir. Non, faut pas trop le remplir. Vas-y, comment je vais enlever ça maintenant, moi? C'est pas possible. Pourtant, c'est pas rempli. C'est quoi ce truc-là? Vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous montrer, parce que moi j'en cherchais ça. J'ai pas trouvé de gens qui faisaient des vidéos comme ça, qui montrent du début à la fin.
Je me suis dit, en même temps, vu que je l'ai acheté, je vais faire une vidéo. Non. Non, faut pas remplir. Oh, je l'ai pas lavé. J'arrive, je vais laver ça. Voilà, on va remettre du sel. Et là, je vais pas remplir. Mais ça fait quand même une boîte. Hein. Bon, après, je sais pas pourquoi ça a commencé, par contre. Ouais. On va pas le remplir. Ouais, faut pas le remplir. Je comprends pas pourquoi faut pas le remplir. Attends, on va le mettre là un petit peu. Je crois qu'il faut pas dépasser ça. Hein. Ouais. Ben non, ou c'est ça qui déconne. Je comprends rien. On va le remplir jusqu'au bout, on verra. Ou c'est le truc qui déconne. Hein. Mais si on peut le remplir, oh, c'est ce truc qui déconne là. C'est ça qui déconne. C'est ce truc qui déconne. Mais si on peut le remplir. Ben ouais, on peut le remplir. Voilà. Oh bah si, on peut le remplir. C'est bon. Je vous rassure, je me rassure. En gros, vous avez un grand et un petit. Voilà, le petit, il est là. Le petit, ça fait ça. Oh ben, le petit... Le petit, c'est pas si petit que ça, hein. Regardez. Ça va. On va dire ça va. Par contre, ça, là... Les coincés ou c'est quoi l'histoire? Bon, on va mettre... Bon. Ça, par contre, je vais essayer de faire marque en français. Mais comment? J'ai rien compris avec du blanc. Mais... Bref. Je suis contente de mon achat. 26 euros. Contente. Bon, ça, j'ai pas compris. Ah, laisse tomber ça. Ah, bon, bref, je sais pas. Bon, voilà, petit loup. Je vais remplir tout ça et je reviens vers vous parce que vous avez compris. On va y laver déjà. On va les laver. Franchement, c'est. J'en voulais. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vais remplir tout ça et je vais voir où je vais les placer. Ok? À tout à l'heure. Voilà, j'étais en train de réfléchir où je vais les placer. En espérant que ça tienne bien ce truc-là. Moi, je crois que je vais les mettre au-dessus de ma porte de placard. Comme ça, comme cuisine à côté, je vais vous montrer. Ça s'enlève pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Est-ce que c'est bon, ce que j'aime faire, déjà? Normalement, c'est ça. Bon, on va coller ça. Voilà, moi je les ai mis là. J'ai mis dans mon placard de cuisine. Comme ça, je cuisine à côté, je cuisine en bas. Je prends comme ça, pof, et je cuisine là. Ok? Allez, je termine. Là, je suis contente, il y en a qui sont vierges. Regardez, j'ai eu peur. Parce que là, je suis en train de chercher. Ah, ben le gingembre, il est là. Il y en a, ils sont vierges. J'ai parlé trop vite. Chercher le gingembre, il est là, le gingembre. Qu'est-ce que ça donne, les petits loups? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes petits loups. Bye bye. Qui veut du curry? Et voilà. Et voilà. Franchement, pour le prix, il n'y a pas mieux.